PEGI 18. Salut les amis, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Tomb Raider Definitive Edition sur Xbox One. C'est parti, on clique sur continuer. Oh, on a fait 9% du jeu, c'est-à-dire qu'on a fait 3% lors du dernier épisode. C'est bizarre, c'est pas non plus exponentiel, hein, parce que j'ai tourné à peu près la même taille d'épisode et sur le premier on en a fait 6, sur le deuxième on en a fait 3, c'est bizarre. C'est bizarre! Bon, allez, chargement de l'infini comme d'habitude sur les jeux vidéo maintenant. Oh, on peut s'endormir, on va se faire un café. Non, c'est parti. On a récupéré donc... Oula, qu'est-ce qu'il fait? Oui. On a récupéré un piolet de compète. On va juste changer de tenue. Hein, parce que... on a un point de compétence aussi, regardez les amis. On a un point de compétence, donc on va se le mettre. Hein, et pas où je pense, bien sûr. Restez courtois, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Du coup, qu'est-ce qu'on a en chasseur? En chasseur, ça on l'a fait. On pourrait avoir plus de place dans nos sacs, ok. Peut-être pas important tout de suite, quoique. Parce qu'après on a... Ça, ça peut être sympathique quand on fouille. Ça, ça peut être sympathique aussi. Ouais, ça peut être bien. Je pense qu'on va prendre celui-ci pour l'instant. Voilà. On va prendre ça, ça c'est fait. On va changer de tenue. C'est ici normalement. Là on a la chasseuse, on va prendre la viatrice. Tiens, allez, hop, on va faire une par une. Et on changera au prochain feu de camp si ça ne me plaît pas. Même si ça me plaît d'ailleurs. Ouh, beaucoup moins sexy du coup. On va pas le décolleter. Mais au moins, on n'attrapera pas un rhume. Donc, alors si j'ai bien compris, les amis, avec ce nouveau piolet, je peux y arriver. On peut faire ça. Eh ouais, ça c'est la grande classe maintenant. Oh, alors que j'ai plus de batterie dans mon casque, ça devrait tenir, je pense. Le temps de l'épisode, quoique normalement quand ça bip la première fois, je crois que ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'une demi-heure, je crois, je sais plus. Bon, en même temps, vous me direz, on s'en fout. Oh, on peut même le faire en sautant, mais c'est magnifique. Oh, OMG. Ah ouais, c'est kiffant. Allez, on va faire ça tranquille. Eh ouais. Et bim! Oh là là, le move de folie! Le move de folie! On aurait quelque chose ici? Peut-être derrière la cascade? Nope. Ah d'accord. Donc je suis passé à côté. Mais attendez, ça c'est... oui, c'est le truc des loups, ça, on va pas y retourner. Voilà, on va passer par là. Nous, ce qu'on doit faire là maintenant, je vous le rappelle, si vous avez pas vu les épisodes précédents, qui sont bien sûr disponibles dans la description, mais qui sont aussi bien sûr disponibles via le lien vers la petite fiche. Que on doit aller passer le signal radio, et pour cela, on doit aller à l'antenne, qui est bien sûr tout en haut de la montagne, hein, normal, pour y mettre notre émetteur. Oh, oh. Hop. On va prendre l'arc. On ferait mieux de rentrer. Ok. Bon, faut que je les bute, ces enculés, là.
toutes les deux là. Il m'en reste un dans cette cabane là. Ah, il est juste là quoi. Ah, je le chope pas là. Eh bien, motherfucker. Et ouais, c'est aussi ça, Tomb Raider, c'est prendre des flèches en pleine tête. Hein, c'est normal. Champion du monde de tir à l'arc, je vous l'ai déjà dit. Du coup, bon, je casse les poteries. Rien à foutre. Hop. Et j'ai pas... Bon, je pense qu'on peut les buter, ces petites poupoules, là. Ouais, je pense qu'on peut les tuer. Du coup, est-ce que j'irai pas voir, quand même, ce qu'il a, lui, là. On sait... Mais, Lara, s'il te plaît. Fais pas l'intéressante, là. Parce qu'il y a du monde à regarder mes vidéos, hein. On va quand même le fouiller, on sait jamais. Oh, regardez, voilà, il y a un truc. Bonjour. J'ai parlé à plusieurs petite histoire. On m'avait formellement interdit. Mettez pause, bien sûr, si vous voulez la lire. Moi, je ne veux pas. Voilà. Si vous avez vraiment envie de savoir ce qui était dit, mettez pause et lisez le petit texte. Moi, j'en ai juste rien à carrer. Non, je déconne. C'est juste que généralement, c'est juste des. Des petites histoires pour approfondir l'histoire du jeu, justement. Moi, je l'ai déjà fait, donc je m'en fous un petit peu. Du coup, je pense qu'il faut passer par là. Hop, on se rattrape, voilà, nickel. Le réflexe. On va sauter là. Ouais, c'est ça, Lara. Ah non, ouais. Parce que là, enfin non, j'ai pas fait tout ça pour qu'il casse la gueule comme une idiote, quoi. Alors, on peut... Ah, si. Normalement, voilà. Ça, je peux. Et comme ça, on peut faire ça. Voilà. Comme ça, on va récupérer des matériaux. Ben oui. Ben bien sûr. Y'a rien sur le toit, là. Oh, regardez, y'a un truc sur le toit. Non, non, nope, nope, nope. Nope. Tu sautes. Merci. C'est quoi? Ah, c'est les géocaches. Ah, très bien. Donc, il y en a... Qui voulait qu'on les trouve. Un certain nombre à récupérer et un nombre certain. Très bien. Bien sûr, on en a loupé, hein, parce que je crois que la dernière qu'on a récupéré, on était à... 1 sur 2, et puis là, on était... Ouf. Le réflexe du croix. On était 1 sur 15 je crois dans cette zone. Donc, je vais pas passer mon temps à aller chercher non plus. C'est pas mon but. Ça c'est le but des gens qui font les jeux à 100% pour avoir les trophées platine sur PlayStation. Et tous les succès sur, sur Xbox. Oh mon dieu! On se serait cru dans Cliffhanger. Oh. OMG, c'était magnifique. Ta gueule, toi, tu me parles pas. Reyes, où es-tu? Tu as trouvé Sam? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord, je te rappelle dès que je la trouve. Ok. Tyrolienne, nickel. Ah ouais, d'accord. Ne faites pas ça. Oh. Ok, bah on va passer au flingue si c'est comme ça. Ok, voilà, tu viens de prendre ta balle. Toi, c'est pareil, t'en as pris une, là. Toi, t'es mort. Oh! En plus, il s'est enflammé la tête tout seul. Voilà! Ça, c'est réglé. Il nous reste 38 balles, par contre. Ah, bah, on a récupéré 5 sur son cadavre. Nickel. Voilà, on a récupéré une flèche en plus. 5 munitions. Normalement, on doit pouvoir prendre du feu ici. Voilà. Ah, faut rester appuyé. Putain, quel crétin!
On récupère les matériaux. Et là, on a assez normalement. Est-ce que je vois. Ah ouais, mais il faut un corps, merde. Je voulais le faire tout de suite, mais il nous faut un corps. Ok, la poterie, on s'en fout. J'ai un mauvais pressentiment. Ça fait pas très sneaky, hein, le. Ah, dommage. Je pensais que la torche allait s'éteindre. Oh bah tiens, un feu de camp juste ici, impeccable. On va pouvoir faire nos améliorations. Oh, mais elle a froid, j'ai mis un petit blouson pourtant. Ah, moment de tendresse vidéo. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas. Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, hey, Grim, c'est l'heure de fermer les écouteilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Alors je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine, et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3, et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez! 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 Coupez. Il va revenir? Je vais le chercher. Mondialement connu. Et je peux vous dire. L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais aller. Que ce n'est qu'un tout poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara. Bon, la petite séquence nostalgie est finie. Tout le monde compte sur toi. On va reprendre. Du coup, on va voir ce qu'on peut faire avec notre équipement. Normalement, on peut faire une amélioration. On va essayer de partir sur le pistolet. On peut améliorer la contenance du cap. Ouais. Ça, voilà. On va améliorer la visée, enfin le recul.
Comme ça, ça évitera de perdre trop la mire. Donc on sait que je suis un viseur légendaire. On va changer de tenue, hein, pour faire plaisir. Voilà, on va tourner sur la guerriera. Guerriera. Ok, très bien. Est-ce que ça va être sexy ou pas, les amis? Attention, verdict. Ouais, c'est... Je suis déçu, encore une fois. De la munition, on récupère. Tranquille. Ça, c'est... Oh, c'était quoi, ça? Des rats. J'entends des voix, par contre. Oh, on récupère ça. Il doit y avoir les autres crétins pas loin. Ouais, regardez. Ah, il est relou avec sa lumière, lui, là. Je peux pas passer nulle part. Hein. C'est atroce ce qui vient de m'arriver. Je suis censé passer comment, moi? Là, je comprends pas trop le délire. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres passages. Hein. Non, on ne peut pas passer là. Ça passe, ça passe. Ce qu'on va essayer de faire, c'est en mode sneaky. Oh, je fais un massacre! Pour l'instant, lui, il voit rien, donc c'est cool. Je sais qu'il y en a un là, là. Il y en a un dans cette petite mezzanine. Du coup, il faut que je fasse attention. Mais reste planqué, non, tu veux pas? T'as pas envie? Très bien. Bah, elle a juste pas envie, quoi. Bon, là, il y a l'air de plus y avoir grand monde. Ok, donc il passe comme ça. Là, normalement... Pas bon ça, c'est pas bon.
faut pas qu'il me pécho, c'est bon. On est en mode silky les amis, pas de bruit. Hop. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut les amis, ben oui. Oh là 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 là, le move! Le move que je viens de faire, mais c'est juste terrible. Et voilà, Sneaky Tomb Raider dans la place. Ouais, ça c'est nickel. J'ai fait le move interdit, hein, bien sûr, vous avez vu. C'était juste magnifique. Hop, une géocache, une sur deux. On avance, hein, bien sûr. Je sais que j'ai oublié de fouiller des cordes au début. Mais, Seconde guerre mondiale. Pour faire le jeu à 100%, je vous l'ai dit. Juste. Ah, on est plein comme munitions, ok. Très bien. Allez, on avance. Oh. Dans quoi on est tombé? Oh, oh. Chut. Faut pas faire de bruit. Il y a Bambi qui dort. On a qu'à le laisser là pour le moment. On va demander aux autres. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais tirer un coup de pistolet dans le baril pour que ça explose. Mais du coup, peut-être que ça a été mieux, peut-être que j'ai pas averti ceux qui sont très très loin. Du coup. Oh, peut-être que c'est par là, donc on va peut-être aller fouiller vite fait. Histoire de récupérer des matériaux, hein, ça va être très important pour les améliorations. Voilà, on a une amélioration d'armes disponible. Ah, on peut foutre le feu à ça, tiens. Ah oui, c'est vrai, il fallait les brûler, c'est des images de propagande, je sais pas quoi. Ah, quoi qu'on peut monter les marches, donc du coup, on va peut-être visiter ici avant. Ah ouais, bon, en fait, il y avait juste ça. Ah, je peux ouvrir ça.
Allez. Allez, 65 de matériaux, les amis, vous avez vu ça? Ça valait le coup. Oula, il y a du feu là. Ok. Il m'a fait peur ce con. No one leaves, personne ne part. Ouais, très bien si tu veux. C'est juste la grille qui est tombée pour que je puisse sortir en fait. J'ai eu peur. Je me suis dit, aïe, on m'attaque. On va peut-être passer avec le pistolet, tiens. Vite fait, parce que. Il me semble me souvenir un petit peu de ce passage et je crois que là, je vais pas tarder à être attaqué par une super vague de méchants. Regardez. T'as nulle part où aller, ma jolie! Alors, je peux pas revenir en arrière. Faut que je fasse un truc. Quoi, je ne sais pas. En tout cas, il y a du gaz là. Ouais, je veux pas rester ici. Je peux pas rester dans l'autre salle, pourtant c'est par là qu'il faut que je passe. Alors j'ai dû louper un truc. Peut-être que je peux ouvrir la porte. Non. Putain, c'est quoi ce délire? Ah! Et si je lance... Voilà, c'était pas plus dur que ça en fait. Ah, du coup, on peut repasser par là. Ok, d'accord, on peut revenir en arrière. Bah alors, mon pote? Eh ben non, moi je te laisse souffrir, je suis comme ça mon pote. Elle arrive ! Ah, du coup, peut-être que je l'achève en fait. Va en enfer. Voilà, j'ai abreuvé ses souffrances. Hop, on a un truc là. Pareil, je vous laisse mettre pause si vous voulez savoir ce que ça dit. No one leaves.
pourquoi il y a un avion. Oh, ici, il y a un truc là. Ouais. Non, saute pas. Ah, merci, sympathique. Maintenant, allumez-la. Tu vas crever. Oh, t'es sérieux, t'es pas mort toi? Allez, faut que ça passe là. Il y en a d'autres? Putain, il me reste plus que 2 balles. Ok, on est récupéré. Je me souvenais hein, qu'il y avait une embuscade quelque part. Allez, on récupère plein de trucs, des munitions très importantes. Voilà, ça fait plaisir, des munitions de pistolet, des munitions de mitraillette. On fait le plein. Histoire d'être tranquille. Ici, on peut cramer encore un truc, on récupère des matériaux. De quoi? De cette île? The storm is watching, donc la tornade est en train de vous regarder, je crois. Père Mathias vous sauvera, ouais, d'accord. Fear the demon. Ok. Et Solari. Très bien. Très bien, si vous voulez. Ah, mon casque qui me redit qu'il a plus de batterie. Le pauvre casque. C'est bon là, c'est fini les attaques intempestueuses. Recharge, recharge, voilà. Allez, ouvre cette porte. On entend la brise hein, de l'extérieur, donc. Ah, je sens pas ça. Tu es là? Oui. La console est fichue. Merde. Bon. Alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok. Ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Et il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin... du genre, tout en haut. Encore de l'escalade. Génial. Ok, c'est génial, c'est magnifique. On va faire un petit peu d'escalade. Là, on est plein. Là, il y a de la mule. On a loupé un bouquin. Voilà, comme maintenant vous avez compris le mot de pause, nous on s'en fout. Donc là, non, la porte, on peut pas y aller. Ok, bah c'est parti pour l'escalade. Ok, ça a l'air d'être tout chaud.
J'espère que ça marchera après tout ça. Ah bah ouais, voilà, bah oui. Allez, à la Batman, coup de pied. Ouais, Batman, c'est quand même balèze, hein, parce que Batman, il y arrive assez facilement, je trouve, par rapport à vous. Oh non, il va falloir monter tout là-haut. Mais avant ça, il va falloir traverser. Oh là, mon dieu. Ouh, d'abord un petit feu de camp. Voilà, un petit feu de camp, histoire de se mettre bien au calme. On a des compétences. Voilà, on a des compétences. On va les mettre. Pas dans chasseur, parce que là, on n'a pas trop de trucs. Ah, on est passé dans le mode castagneur. Tiens, on va aller voir. Subissez plus de dégâts lors de vos combats sans y laisser votre peau. Ça, ça peut être intéressant. Et utilisez la poussière et les cailloux pour aveugler vos ennemis et les rendre... Ah, ça peut être sympathique. On va prendre ça d'abord. Histoire d'avoir un petit peu plus de défense. Voilà. Donc ça c'est fait. On va passer à l'équipement. Et on va améliorer... Est-ce qu'on peut améliorer notre super piolet maintenant? Non. Il est toujours à fond. Du coup on va passer je pense au pistolet. Parce qu'on l'utilise assez souvent. Mode rafale on s'en fout un peu. Oh, allez, on va prendre ça quand même. Voilà, histoire d'avoir un chargeur amélioré. Et le mode arc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Non, ça on l'a pris. On va prendre ça aussi. Histoire de faire plus de dégâts quand on tire pas dans la tête direct. Voilà, bon, hop, j'ai oublié un truc. Retourne t'asseoir, s'il te plaît. On a oublié de changer de vêtements. Non mais... Alors après la guerriera, on va passer à l'alpiniste. Bah ça tombe bien, on va falloir monter tout en haut de la tour. Allez, sexy ou pas? Verdict. Oh mais non, mais carrément, on va mettre un pull maintenant, une doudoune et tout quoi. Pourquoi ça se passe pas au bord de la plage? Sérieusement. Allez, cours. Voilà. Hey, hey. Allez, 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 allez! Tiens! Maintenant que je sais que c'est tout le temps Y, je le loupe pas. Oh, il y a du monde, quoi, il y a du monde. Merde! Mais combien ils sont? Ah, mais t'es sérieux? Tiens. Ah, faut que je vise beaucoup mieux que ça. Il y a l'air d'y avoir du monde là. On peut pas y aller en mode sneaky, c'est chiant ça. On peut pas avoir le mode sneaky là. J'aime bien moi faire que du sneaky. Non mais faut... il lui faut combien de balles? Sérieusement, je lui mets 3 balles là. Plus la quatrième qu'il a pris en haut. Il lui en faut une cinquième quoi, il est sérieux? Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, j'ai entendu des voix après. Boum! Boum! Oh, les deux contre jump qui sont pris un bastos, ça m'a fait plaisir. Vas-y, on récup.
Ah ouais, les potes, on rigole pas dans la famille Croft. On explose tout. Qu'est-ce que tu récupères, ma pote? Militaire. Je ne reconnais pas ce kanji. Est-ce qu'elle date de la Seconde Guerre mondiale? Bah, je sais pas, hein. T'es plus l'archéologue que moi. Je sais pas, ma pauvre Lara. Je peux pas t'aider, désolé. Hey, y en a encore. Il y en a encore de vivants. Ah ouais, peut-être derrière là-bas. On va avancer. Ça, c'est les mecs qui ont sauté. Malheureusement, ils sont tombés. C'est ce qui arrive quand on saute. Oh là 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 là, les balles que je peux mettre à côté. Encore vivant là, pourquoi j'ai encore cette musique? Voilà le pote pause. Voilà, bonjour, merci, au revoir. On récupère ça. On peut pas aller au-dessus? Nope, à mon avis c'est de ce côté encore. Aïe, ça fait mal. Il y a encore du monde, et j'aime pas trop ça parce que là je vois une grande zone où il n'y a pas trop de trucs pour se mettre à couvert et je sens très très mal. Je sens très très mal, je rappelle qu'on doit monter tout là-haut et j'aimerais bien terminer mon épisode s'il vous plaît. Donc on va mettre les pieds au sol, mais du coup je pense qu'on va se faire embuscader et ouais voilà. Ok, d'accord, mec avec un groupe. Très bien. Non, je vais m'en aller. Comment je peux le pécho, lui, sérieusement? Oh, il est sérieux? Ok, d'accord. Faut faire que je l'esquive. Aïe! Aïe, ça pique. Non mais là trop. J'ai plus de mule en plus. Ah mais il y a un autre moyen, je suis sûr qu'il y a un autre moyen de pécho. C'est pas possible.
Boum. Pas bon, ça c'est pas bon. Pas bon du tout. Ah, les mines sont revenues. Il y a des mines qui sont revenues. Et mais il me court après. Il est en colère. Il est en colère. Voilà. Brise rotule. Hop. Mais il est sérieux lui hein. Allez, qui n'en veut? Qui n'en veut? Allez. Ce moment de stress. On récupère des munes, on récupère un peu plein de trucs. Mais bon, on a fait le tour. J'aimerais bien un petit feu de camp là. Histoire de sauvegarder la progression et d'arrêter l'épisode. Hop, de la mine, merci. On ouvre le placard. Bim, allez, 65 en plus. Les placards sont bien fournis. Hein. Non, c'est pas possible, ils peuvent pas mettre un petit feu de camp dans le coin là. Les mecs, ils ont bien fait un petit feu de camp. Hop. Ça c'est fait. Ok, c'est bien par là. Ça fait de camp ça? Non. Par contre, je peux prendre de la lumière. On a ça tout à l'heure. Je vais aller voir ce que j'ai ouvert là. Il y avait un corps par terre déjà. Hop, on récupère. Un petit point de compétence en plus. Un insigne accordé aux fusiliers de seconde classe de l'armée impériale. Un kanji gravé à moitié. Très bien. Magnifique Lara, magnifique. Bon allez, sérieusement. On va prendre du feu, tiens. C'est ce que j'ai vu. Un petit ballot là, que j'aimerais bien cramer. Allez, descends. Voilà. C'est toujours 30 matériaux, hein, mais je pense qu'on va en avoir besoin d'un paquet vu les améliorations qu'on peut faire. Donc autant tous les récupérer. Il n'y a pas des corps là normalement? J'en ai buté plein ici. Ils ont des spawns. Bon, on est arrivé à la tour radio. Ah, le petit feu de camp des familles qui fait plaisir. Bon, on se met un petit point de compétence. Du coup, peut-être en survivant. Ça c'est fait, ça c'est fait. Pour trouver des matériaux supplémentaires, on va prendre ça. Ah non, ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est ça alors? Ah bon, on va prendre ça alors. Voilà, comme ça on aura un petit instinct animal amélioré. Et puis, bah, on va se faire un petit équipement vite fait. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Chargeur grande capacité. Stabilité de l'arme. On va prendre la stabilité. Voilà. Et puis bah on va changer de tenue. On arrive bientôt à la fin des tenues. Il nous en restera plus que deux. Voilà. Démolisseuse. Tranquille. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Ouais. Je suis pas convaincu pour l'instant. Pas de tenue sexy sexy. Bon, en tout cas, on va s'arrêter ici, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu, bien sûr, dans Tomb Raider Definitive Edition.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez comme d'habitude. Allez faire un tour dans la description pour les informations importantes et surtout pour rejoindre mes réseaux sociaux. Hein, puisque je vous y dis des choses importantes, bien sûr, comme d'habitude. Non, allez, c'est plutôt sympa de pouvoir communiquer par réseaux sociaux aussi, donc n'hésitez pas à les rejoindre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tomb Raider ou sur d'autres jeux, bien sûr. Passez une bonne semaine, à la prochaine, salut, bye bye.